Hare Krishna, toujours dans Krishna Balaram Mandir, bon accueil, nous avons un grand plaisir pour accueillir les autres dans la cuisine Manjon Veg. Aujourd'hui, moi avec mon équipe Manjon Veg, nous avons amené une nouvelle recette pour vous autres qui nous appelle ça Soussou Farsi. Et dans la Soussou Farsi là, bien cher, pour sa recette là, nous avons besoin de soussou qui est plein, hein? Un soussou qui sur la peau est bien dur et qui est plus bon pour nous. Là où vous trouvez mon soussou, nous finissons couplé en deux. Ça, là, nous coupons en deux et nous bouillons. Facile. Nous avons pour couper en deux, mettre dans du lot, laisser bouillir. Et quand il bouille, nous piquons un chigin, nous trouvons qu'il est. Hein, nous piquons un coup comme ça, vous trouvez qu'il cuit bien. Là, c'est facile. À ce terre, là-dedans, nous avons du lait même, nous pour servir là-dedans. Fromage, nous pour servir là-dedans. Nous avons un chigin de la farine, plus du thym, et gingembre, persil, un petit peu maille. Petit pois, du beurre, olive noire, un petit carotte et plus un petit pomme d'amour. Et tout à l'heure, pour nous pour présenter dans nos plats, nous pour mettre un petit feuille de chie, tout à fait décoré correct. Mais étudier, prendre note et ça, c'est bien. Moi, j'ai oublié de manger, j'ai oublié de ça extra. Et voilà, là, qu'il nous faut faire, nous commencer avec nos soussous. Là, nous tirons comme ça, bien légèrement. Pas piquer faux pour les pièces la peau là, non, parce que nous pouvons servir la peau là. Là, là nous tirons comme ça. Bien sûr, la graine là, nous tirons d'un côté. Nous ne pas mettre ça la graine là, là-dedans. Nous mettons juste sous là. Et sous, super. Voilà. Nous dévidons bien. Voilà. Nous faisons diviner un petit bol comme ça. Right. Là, nous gardons là, nous prenons l'autre. Toujours la graine là, nous tirons là. Je tiens des petites bouteilles de couillère là, mais bien précision, pas faire bruit. Nous piquons couillère là, juste une fois. On ne doit pas piquer les net pour les pièces la peau là, hein, parce que la peau là, nous besoin servir. Nous besoin faire comme un bol là, comme ça, comme un petit bateau là. Voilà. Et bien sûr, nous pas besoin nécessaire de tirer tout. Hein. Nous besoin quitter un petit peu là-dedans. Quand nous pouvons manger, et quand nous pouvons manger, là nous pouvons gagner un chigin avec nous. Là nous gratte bien nous manger. Voilà. Là nous vin comme ça. Nous gagnons suffisamment. Là nous posons dans plaque. Dans nos plaques, nous pouvons avoir au four à l'air ça. Là nous pouvons assassiner comme ça. Parce que les gros chiens, nous pouvons. Crase comme ça, coupe. Super. Et voilà, qu'est-ce que mon tiers là, moi fait assis comme ça, mais grossier un peu. Et moi, je trouve, je dirais, moi, tout, là, nous pouvons trouver une bonne idée. Dans la place, je dirais, nous trappons sous un petit lamétan, je dirais, piquant pour piquer la main, tout ça, là, bien gros de l'élégant. Mais nous coupons sous là en débrouillé, après nous tirons, nous couillons comme ça. Quand on fait un sous tout fait, ça, quand on fait une salade, quand on fait tout, bouillé, après nous plissons. Je trouve un avantage. Et voilà, l'infini, nous mettons dans un petit bol, nous réservons, nous gardons. Et là, nous avons nos carottes. Mon carotte, mon coupli en petit cube.
Super. Encore une chipine. Super. Nous prenons du beurre, nous mettons dans fond marmite. Nous laissons chauffer. Et laissons fondre un chigin. Bien sûr, nous avons nous dit toujours nous tchèchèli et puis nous avons nous persi tout. Là, nous prenons un zombe, nous mettons là-dedans. Nous prenons nous du thym aussi. Nous mettons, nous persis. Du thym persis un zombe. Nous laissons aussi un petit peu. Nous pas laisser donner l'occasion pour brûler sa djibéa là. Quand djibéa là peut commencer à fondre, voilà, là il peut aussi ça tu peux faire du thym avec persil là extra. Des couilles assez vite. Super. La cuisine n'est pas difficile du tout, elle est bien facile. Ça n'est que bizarre, on dirait mettre l'amour là-dedans. Voilà. Là, nous mettons nos sous-sous. Nous du sel. Bien sûr, la moitié bouillie ça sous-sous. Là, je ne vais pas mettre du sel là. Hein? Juste comment m'en expliquer, tu as là. Juste de l'eau en sous-sous. Là, nous mettons du sel. Ouais. Du sel. Super.
L'aime quand tu étais là, même là. Vous pensez à nous carrosser dans du pain. Mais bien, où t'es net là? C'est pas nous pas vous manger, gaster là. Nous faire les vins plus jolis garçons là, dans un petit maman. La ligne, comme ça. Aster nous dans nos gilets. Nous déléguer. Nous verser là-dedans. Nous tournons. Et bien, cher dans Hadjile, là, on met un petit peu la farine. C'est ça qui peut faire les trapper là. Voilà. Voilà, là, nous, toujours, nous, bien, hein, la cause d'Hadjile là, là-dedans. Regarde comment il est petit un peu. Hein, il vient un peu épais, il serre bien. Et là, nous, quand atteint nous du peu, à ce terre qui nous fait, nous allons fou. Nous allons fou là, on dirait l'eau à 200 degrés. Et bien sûr, là-dedans, vous trouvez tout une finie couille. Peine pour couille encore, ça nous peut mettre au four pour juste pour gratiner. Et voilà. Là, nous prenons les N par N. Nous remplissons là-dedans. Super, mon petit. Voilà. Toujours travailler avec précision, hein, avec. Ne pas faire bruit. Pas faire des couler partout. Diviser. Voilà. Et pas trop rempli, dit. Aura net correct la ligne dit comme ça la dit pas fini là comme ça là nous gagnons une petite tomate nous couper voilà juste du bout de tomate nous tap tap sortir la grain comme ça nous pose lui au milieu comme ça. Et nous cachons sa bout en dans là aussi. Faire des rondelles comme ça. Voilà. À ce nous gagnons un petit olive noir. Nous posons là-dedans comme ça. Ça veut dire qu'il y a l'attention nette là. Faire l'estomac dire en dans quand on peut guetter ça là. Là, si tu es là pour sortir, si tu pas sortir, là. Watan. Voilà. Super. Tu veux qu'il fasse une tire sa tire au milieu là, sa olive là, il rentre pas dedans. Ah, c'était pas fini, pas fini encore. Là, nous. Tiens, nous. Mettons un peu de fromage là. Là, comme ça, nous pas fini en lit. Et bien, cher pour nous faire lit, car faire lit un petit peu pas, puis bien, il est optionnel. Si vous voulez mettre, vous pouvez mettre. Si vous pas les mettre, pas de problème. Là, qui nous fait un petit guin origan, même un petit guin basilic, ou romarin, et pas, vous pouvez mettre. Tu penses, quoi dire, légèrement, il fait lit un petit peu, enfin, un petit chose plus encore. Voilà. Super. Et là, nous mettons ça comme ça. Et là, nous allons au four. On va le mettre dans le four, loin du four de 200 degrés. Laisse-le juste pour gratiner. Dans 10 minutes, nous checkons pour que tu y arrives. Voilà. Voilà. Get sous là, comment tu étais. T'as l'air de guetter comment aller pour venir là. N'est-ce que nous passons là dans le laboratoire là, quand nous tirons là, je te guetter comment aller pour venir. Yami. Et voilà, après nous 10 minutes, nous allons check nos sous-sous quand ils arrivent. Voilà, super. Donc.
Voilà. Ça, super, et ça, parfum organe là, tout est bien bon. Aster, moi, je mets comme ça, juste pour gratiner un chigin, ça, fromage là. Si je te faire fromage là, vient un peu plus brûlé, ou dire, vient un peu plus marron, comme ça, je te calme les slits. Mais là, moi, je peux conseiller, je te prends comme ça même. Là, il est bon quand il était la fromage là. C'est moi, je mange des sauces là. Là, comme ça, nous les vlis avec un petit. Nous posons les. Là, comme ça. Et pas fini. Là, nous prenons un petit tomate. Nous relevons un petit guin. Coupons un petit tomate rondelle, rondelle. Super. Voilà. Et un petit olive à côté, un petit olive noir. Et voilà, ça, en l'entrée, avec un petit jipin, on va dire quand on peut tirer, ça, on peut déchirer, il y a où, super. Voilà, hasta nous allons faire une recette lalo, on appelle ça lalo, la sauce tomate. Voilà, ça nous a dans sa lalo, la sauce tomate là même, nous a lalo, surtout un joli petit lalo tan, quand nous disons ça, ladies fingers. Et puis nous a tomate même là-dedans, pire tomate, nous a béchan, nous a un conflot, et puis nous a la poudre piment. Gros lani crasé, petit lani crasé et nous avons la grain cotomili crasé et puis nous avons amtioul. Amtioul nous avons déjà expliqué qui était ça, c'est un lapoudement. Et si vous avez amtioul, vous pouvez délayer un petit tamarin, vous mettez, vous roulez même. Plus, ici pour ça, la sauce tomate là, qui nous prenons dans la sauce tomate là, nous avons safran, nous avons la poudre conflot, nous avons petit lani, hing, nous avons la poudre piment, nous avons jisik. Et puis nous avons la grain cotomili, nous crasons un chigin, et puis nous avons gingembre et du sel. Et là nous attaquons avec nous l'alo. Nous coupons nous l'alo, toujours en dé, nous fendons. Voilà. Voilà, là il paraît, là nous prenons les, nous mettons les dans le bol. Baguette qui m'a pour faire, là, nous pour mariner un petit peu là. Je prends la grain cotomili écrasé, ma rose là-dedans. Et puis, petit lani écrasé. Écrasé là, comme moi, je suis dit, je vais y aller, je vais casser un petit peu, puis il y a un petit peu, puis casser, il reste grossier, grossier comme ça. Mettre dans la lola là comme ça et puis gros lani aussi nous mettre là la poudre mangue et bien sûr si je peux dans la poudre mangue un petit peu de tamarin je vais délayer mettre voilà. Et la poudre piment et puis nous en besan. Là nous mélangeons les. Là, il est sec net, nous allons ajouter un petit idée de l'eau avec lui. Voilà, juste pour tremper un petit guin pour les épices là bien trapper là-dedans. Super. Et sans oublier, nous mettons un petit peu de sel. CPM, Marine Libre.
Aste moun fini prepar sa, mou gade yon kote. Là, aste nou al prepar sou la sos, hein, kon nou tige la sos tomat. Voilà, mwen nan zinzom, mou met mou zinzom. Hing. Den chigin del vil moun mette. Petilani. La gran koto mil ikraze. Nous laisser aussi. Vous ne pouvez pas laisser ce modèle ville trop chauffer pour les briller. Nous mettons safran et la poudre de piment. Et la poudre piment là, est optionnelle. Si vous avez envie, mettez, vous mettez. Si vous dépend, vous êtes content. Mais divisant, il y a un petit goût. Pas mettre trop beaucoup. Un petit goût juste pour un piquant. Vous voyez, pour lui donner des goûts pour manger. Il y a un petit goût piquant. Divisant, il y a un petit goût piquant là. Là, vous pouvez manger. Vous voyez, super. Et puis, il est là. Nous mettons nos pirées tomates. Voilà. Et nous couvrons ali dans un 2 ou 3 minutes, nous venons checker. Nous checker un coup. Maman, super. Dans une farine, super. Une jolie gravy. On ajoute un petit peu de l'eau en lit. Donc, un petit peu. Voilà. Là, c'est à nous mettre un peu de sucre. Et du sel. Et du sel aussi. Toujours nous bien peser un petit gain. Faut pas trop accélérer au du sel. Delville aussi, nous pas trop accélérer. Nous avons le pays contre manchon. Quand nous avons le pays ça, quand j'ai le petit. Comme je tout connais, nous la santé, les trous dans nos marmites. Et nous premiers la pharmacie, c'est nous la cuisine. Vous choisirez. La santé, priorité. Voilà. Là, nous avons un petit conflot. Nous délayons un petit peu. Mettez ça avec nous les doigts même comme ça. Là, nous délayons. Voilà, bien. Nous vide là-dedans. Un petit peu. Voilà, les vinaines grévy bien spécial. Right. La ligne paraît. À ce qui nous pouvons faire là, nous pouvons poser ça à côté. Nous pouvons nous couvrir ali. Nous tirer ali, nous poser à côté. À ce nous allons nous la l'eau. Nous mettons de l'huile chauffée maintenant. Voilà, nous devons le coin d'une finie pareil. Là, nous prenons un, nous mettons là-dedans, appelons ça testing. Top, c'est-à-dire correct. Nous finissons tester de l'huile bien bon, pas mettre trop de l'huile trop chauffée net. Là, nous mettons comme ça. Mais toujours quand nous l'orgue, nous besoin de coller, nous besoin des tasses. Li. Et ça, quand les fruits mangent comme ça, ça ne va pas mettre dans la sauce, non, ils mangent comme ça même. Ils roulent, ils viennent chip. Voilà, là, nos fruits, ils vont prendre, disons, 4 à 5 minutes pour les fruits, ils vont être doux. Mais là, vous trouvez, là, laissez-les venir bien
crispy get ça li pas vin noir nan rien là li resté un peu couleur mais quand li mangé vin comme un chip comme ça là nous tire li mettre li dans bol là tout mon mettre un papier absorbant pour de l'huile super et ça ou ka attraper mange comme ça même ça un petit la sauce piment li comme ça vous mangez et déroulé même ça. Molalo, l'infini frier bien, get ça bien crispy, right? Bien spécial. Ça ou ka mange comme ça même ça, pas de problème. Et là, mola sauce aussi, get ici, il paraît comme ça. Get comment mon pe servi ça là. Là, mon prend mon plat, mon met mola sauce en bas. La sauce là comme ça et puis ça nous prend nous pose l'eau là comme ça voilà là à ce terme on va prendre l'autre chicken la sauce comme ça nous petit goutte nous mettre au lit comme ça voilà nos caries à l'eau la sauce tomate ça comment nous faire quand nous mangeons comme ça nous prenons lit comme ça là là, là nous mangeons comme ça quand on peut manger on va dire les crispy et yaourt sauf net et bien facile à le sait faire lit et quand on mange ou même pour dire. Et voilà, nous arrivons à la fin de nos émissions. Nous espérons qu'ils aient étudié, qu'ils aient apprécié. Bien sûr, ils ont pu faire les autres. Et moi, je vous dis Hare Krishna. Bye bye.